Depuis des décennies, la Ligue Centre-Val de Loire de football est connue pour sa politique de formation. Elle s'appuie désormais sur l'Institut Régional de Formation du Football pour atteindre l'objectif ambitieux d'un éducateur qualifié pour une équipe engagée. Basé au Centre Technique Régional à Châteauroux, l'Institut Régional de Formation du Football forme actuellement 1400 éducateurs par an. Chaque pratiquant a le droit à un encadrement qualifié. Nous savons maintenant que les émotions négatives court-circuitent la créativité et la prise d'initiative. Le stress est l'ennemi de l'apprentissage. Nous voulons donc des éducateurs capables d'instaurer un climat relationnel sécurisant et bienveillant, favorable aux apprentissages et à l'épanouissement de chaque joueur. Pour venir en aide aux 700 clubs de la région, la Ligue Centre-Val de Loire emploie des conseillers techniques. L'une de leurs missions est de proposer des modules de formation de 8 à 16 heures, accessibles à tous, partout sur le territoire régional. La FFF accompagne ce dispositif en mettant à disposition des clubs des aides financières par l'intermédiaire de bons de formation. Les méthodes de formation utilisées sont centrées sur l'interactivité et permettent ainsi d'établir très vite un climat de confiance et de bienveillance, propice aux échanges et aux apprentissages. L'Institut Régional de Formation met en œuvre également les titres à finalité professionnelle, parchemin obligatoire pour enseigner, entraîner contre rémunération dans la branche du football. Ces formations se déroulent au Centre Technique Régional sur une saison sportive et débouchent sur l'obtention d'une qualification professionnelle de niveau 4 ou de niveau 3. Le Brouwen Moniteur de Football, diplôme de niveau 4, est un éducateur généraliste, capable d'animer des séances avec tout type de public et surtout en toute sécurité. C'est un agent de développement qui participe à toutes les actions associatives, éducatives du club. Le BEF est un entraîneur s'adressant à des clubs évoluant au niveau régional et au niveau national jeune. Il est expert de la pédagogie et le garant du projet sportif du club. C'est une formation très complète. À la fin, on doit être capable d'animer une séance du foot d'animation jusqu'au senior. À la fin du BMF, tu dois également être capable, au sein de ton club, de monter un projet sportif, éducatif ou associatif. J'ai pris de l'assurance dans mon animation, avec toutes les billes qu'ont pu nous apporter les formateurs. Certifié conforme au décret qualité de la formation professionnelle par l'AFNOR, l'Institut Régional de Formation reste à votre disposition et vous proposera, dès la saison 2017-2018, au même titre que la formation des éducateurs, un plan de formation des dirigeants et des arbitres. N'hésitez pas à nous contacter.